Était venu à l'espace culturel de Rombas le 4 février 2011, le chanteur franco-espagnol Nilda Fernandez est décédé ce dimanche 21 mai. Touchant en interview, sincère et émouvant sur scène, RTV tient à lui rendre hommage en vous rediffusant ces quelques extraits de son passage rombasien. Quand j'ai commencé à avoir du succès, j'étais un peu inquiet, je dois dire, ça me paraît un peu coquet de le dire, ou coquet ou prétentieux, mais j'étais un peu inquiet de voir que quand j'arrivais sur scène, tout était fait, quoi, tout était acquis, parce que je passais à la télé, parce que j'étais au top, tout. Ah, et je me disais, ça y est, quoi, il va falloir que j'entretienne ça ou quoi. Et j'aurais plus rien à prouver que de faire. Et puis. Donc. Cette façon un peu trop violente et hystérique que le succès engendre m'a paru toujours dénigrante pour l'être humain, quoi. Et l'artiste que je suis et l'être humain qui se trouve en face de moi, je pense qu'il nous faut des relations plus profondes, quoi. Les sentiments. Ne croyons pas que nous sommes les abandonnés de l'histoire. Continuons à penser que nous avons chacun une mission dans ce monde qui n'est pas complètement dévoilée au début de la vie, mais qui se révèle au cours de la vie. Notre mission, elle peut être très simple autour de gens autour de nous, comme elle peut être un peu plus élargie. Mais on a quelque chose à faire qui revient toujours à nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on doit apprendre de notre vie, c'est à s'améliorer.